Présidée par son président national, Dean Elvis Okombi Tsalisson, la réunion élective du Conseil interfédéral de l'Union pour un mouvement populaire de Brazzaville a mis en place un nouveau bureau exécutif interfédéral composé de 12 membres. Porté à la tête de ce bureau, Bertrand Bébert Etou-Elian veut mettre en pratique les valeurs de justice et d'équité prônées par son parti. Ça va être un travail d'équipe. Ensemble, nous allons constituer le trait d'union entre le parti et le peuple, afin que les vraies valeurs, les valeurs sûres de la rupture, soient de manière permanente soutenues et sauvegardées. Nous allons faire de tout Congolais attentif et vigilant, militant de l'UMP et défenseur des causes justes. Le président national de l'UMP a instruit le nouveau bureau interfédéral de Brazzaville à lutter aux côtés du peuple contre la fraude et la corruption au niveau de la classe politique du pays. Ce peuple qui avait réclamé la paix, mais qui a déjà la paix, continue aujourd'hui de soutenir la rupture face à cette élite corrompue, face à cette classe politique qui s'embourgeoisie de jour au jour, face à cette élite qui a oublié que nos enfants ont besoin d'avoir des écoles. Ce nouveau bureau interfédéral de l'UMP Brazzaville aura entre autres objectifs de veiller à l'application de la politique nationale de leur parti et la mise en pratique du plan stratégique au niveau du département de Brazzaville.